Mort de Michel Korde. Qu'avait-il pensé de l'arrêt de la série Plus belle la vie? Vendredi 5 mai, Michel Korde, alias Roland Marchi dans Plus belle la vie, a été retrouvé mort à son domicile. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens l'année dernière, l'acteur s'était notamment confié sur la fin de la série phare de France 3. Sur le tournage de Plus belle la vie. Michel. J'avais 15 ans. J'avais besoin d'amour et de bienveillance, car je ne connaissais rien au métier, j'étais une enfant. Une enfant perdue dans ses grands studios avec de grosses caméras pointées sur elle. Tu l'as vite compris. Tu m'as donné ton sourire puis tes bras. Tu m'as rassuré. « Donner confiance en moi », a-t-elle écrit. Que pensait Michel Korde de la fin de Plus belle la vie? À l'automne 2022, alors que Plus belle la vie s'apprêtait à dire adieu aux téléspectateurs, un épisode avait mis en scène la mort de Roland Marchi. À cette occasion, Michel Korde avait accordé un entretien aux Parisiens. Au cours de cette interview, l'acteur avait notamment donné son avis sur l'arrêt de la série, expliquant qu'il trouvait dommage de supprimer ce feuilleton. C'est un événement unique à la télévision française. Cette durée, cette intensité côté public et audience, avait-il confié, avant d'expliquer la manière brutale dont les acteurs ont appris l'arrêt de leur série. Il ajoute, « On l'a appris par un bruit, dans la presse. À chaque fois que Tel France devait renouveler le contrat, on entendait des choses. On savait qu'il y avait une espèce de pression », avait-il ajouté. Une disparition tragique.